clair que la ville a pété les plombs. Tout le monde. J'ai même pas le temps de lire tous les rapports. Écoutez, surtout restez chez vous. Ne sortez pas, nous ignorons ce qui se passe. Mais le temps se disloquait. Totalement désynchronisé. La ville était plongée dans le chaos. La fin du temps approchait. Et vous pensiez pouvoir y remédier? La solution se trouvait dans la tour Monarque. La contre-mesure. Chez Monarque, on l'appelait RCC. C'était la clé de la capsule temporelle. Le plan de survie de Monarque. Mais ça vous laissait de marbre. J'avais un meilleur plan. Le plus gros bâtiment de Riverport, après tout. Joyce, vous m'entendez? Charlie? C'est vous qui êtes là pour le RCC? La contre-mesure. Ouais, bah vous avez du bol parce que Seren a quitté le bâtiment. C'est bouclé, mais la bonne nouvelle, c'est que je connais ce système comme ma poche. Je peux vous ouvrir les portes, toutes les portes. Cool. Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren. Il y a un accès direct au RCC. Pigé? En fait, vous êtes qui au juste? Pourquoi vous m'aidez? Écoutez, je suis pas là pour vous entuber. On veut tous la même chose. Je sais pas en quoi le fait que vous ayez le RCC va nous aider, mais au point où on en est, un petit espoir vaut mieux qu'aucun... Bienvenue au siège international de Monarch Solutions. Cet édifice à la pointe du progrès est célèbre dans le monde entier pour son architecture unique et sa place centrale dans le paysage de Riverport. Bénéficiant d'un degré sans précédent d'automatisation, conçu dans le respect des dernières normes de confort et de sécurité, et doté d'une empreinte carbone nulle, ce bâtiment constitue un lieu de travail sûr et écologique pour des milliers d'employés de Monarch. Monarch Solutions, notre priorité. Ok, enfin. Le bureau de Paul.
Qu'est-ce qui se passe au juste? Je croyais qu'ici, au moins, la situation serait sous contrôle. Ouais, je sais, c'est le bordel. Le fameux plan de survie que Monarch avait, eh ben, il part en couille. Je me rapprochais de la contre-mesure. Paul avait la solution pour arrêter la fracture depuis le début, mais il ne l'avait pas compris. Il n'y avait rien à comprendre. Il pensait que le processus était irréversible. C'est pour ça qu'il s'est servi de la contre-mesure, du RCC, pour créer la capsule temporelle. Vous êtes là? Je suis bloqué. Ouais, je vais vous ouvrir la porte, bougez pas. Faites gaffe, une bande de brutes en rogne vous attend de l'autre côté. Et elles flippent leur race. Et voilà. Essayez de rester en vie.
Monarch s'était mis toute la ville à dos. La violence qu'ils employaient pour essayer de maquiller leurs agissements n'était pas du meilleur effet. Ça ne marchait pas. Si le docteur Amaral était la clé de survie de Paul, pourquoi est-ce qu'elle a été tuée ? Seren pensait qu'elle l'avait trahi et qu'elle cherchait à provoquer sa mort. Mais qui a bien pu lui faire gober ça ? Je dois accéder à cette passerelle. Ouais, pas de problème, bougez pas. Restez bien sur vos gardes, Joyce. Cette chose-là dehors, je crois qu'elle rôde encore. Voilà, vous pouvez y aller. Monarch était à bout de souffle. L'empire de Paul s'effondrait de toutes parts. J'avais jamais rien vu de tel. Mais Paul, si. C'est à ça qu'il s'était préparé pendant toutes ces années. Sans grand succès, malheureusement. Putain de merde. Hatch ? Le train. À tout le personnel, n'allez pas au niveau inférieur, ils ne sont pas sûrs. Je répète, n'allez pas au niveau inférieur. Il semblerait qu'un train ait percuté le bâtiment. Nous maîtrisons la situation. Le personnel est prié de rester dans les zones sécurisées. Des intrus ont pénétré dans le bâtiment. Je répète, restez dans les zones sécurisées. Hé, Charlie. Je suis devant une nouvelle porte fermée. Pas mal, Joyce. C'est le bureau de Seren. Bougez pas, je vous ouvre. De cette pièce, Seren a accès à la salle du RCC. Je vous y rejoins. Et voilà. Paul n'était déjà plus là. Mais il avait laissé sur place la seule chose dont j'avais besoin.
t'emmerde. J'arrête de jouer. Je veux ce que tu as volé. Oui, bien entendu. Le RCC. Si seulement tu comprenais l'importance de cet objet, tu n'y toucherais pas, mais je sais parfaitement que tu t'en fiches. T'as raison. Je m'en fiche. Et t'es pas là pour m'arrêter. Oui. Oui, effectivement, tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. On se reverra bientôt, Jack. J'en ai assez d'écouter tes conneries, espèce de taré. Que quelques minutes entre les interruptions. La contre-mesure était ce que Paul avait de plus précieux. Tout ce qu'il avait bâti reposait sur la machine de Will. Tout son plan en dépendait. Évidemment que j'avais hâte de la lui prendre. On envoie qui ? L'équipe TAC au complet. Et on aura besoin d'une unité technique pour le démantèlement. Je les brieferai en chemin. Bien reçu. Bonne chasse, monsieur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que t'as foncé dans ce truc. Un seul des traitements de Seren n'était pas parti en fumée dans l'explosion. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Mais on était tous à la même enseigne. Pendant des années, Paul a dirigé Monarch dans l'ombre. Ça n'a pas dû améliorer son problème de déconnexion de la réalité. Il a vécu 17 années, deux fois. Il avait tout reconstitué, de mémoire. Il connaissait les tendances du marché à l'avance. Il avait tout le nécessaire pour faire fortune, alors il l'a fait. Paul avait vu ce qui allait arriver. Ça l'avait dévasté. Il refusait de penser qu'on pouvait influer sur le cours des choses. Et il a rejeté tous ceux qui auraient pu le convaincre du contraire. Paul était un homme de pouvoir, à la tête d'un véritable empire. Mais au-delà de ça, il était mourant. Les signes ne trompaient pas. C'était uniquement grâce au docteur Amaral que Paul était encore en vie. Mais à en voir leurs échanges, ils entretenaient plus que de simples relations professionnelles. Je m'abstiendrai de tout commentaire à ce sujet. T'es qui, toi ? T'es pas censé porter ça à toi ? Attendez, je peux vous expliquer. Wheeler. Je suis de la maintenance. Fou. Joyce, aidez-moi! Charlie, Joyce, à terre. Allumez-le!
plus. Josh, bon sang. Un peu plus et j'y passais cette fois. C'est vous, Charlie ? Ouais, ouais. Attendez, j'ouvre cette porte. La capsule tout entière reposait sur la contre-mesure. Il savait que Will essaierait de la récupérer. Ce qui explique sa mort. Et il savait que je finirais par tenter ma chance aussi. De toute évidence, il avait raison. Ils avaient toute une réserve de particules chronon extraites de la zone zéro pour alimenter la capsule. Suffisamment pour espérer tenir jusqu'à ce qu'une solution viable soit trouvée. À vous de jouer, Joyce. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Ouais. Moi aussi. Le voilà. Le RCC. La contre-mesure, ou quel que soit son nom. Allez-y, il est à vous, Joyce. Il s'était passé quelque chose dans la salle avant mon arrivée. J'ignorais quoi, mais c'était sanglant. J'avais déjà vu le type mort avant. Liam Burke. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a trouvé plus fort que lui. Passons à la suite. Ça y est, vous l'avez ? Faudrait pas... Will avait mis 11 ans à construire la contre-mesure. Bess était morte pour elle. Et je savais qu'elle pouvait réparer la fracture. Cette saloperie. Le problème, c'est que j'ignorais comment elle fonctionnait. Le seul expert que je connaissais... était mort. Mais grâce à Monarch, j'avais un moyen d'aller le consulter avant que tout ça arrive. La machine a voyagé dans le temps de l'université. Oh, son noyau est ici. Bon, on s'arrache ou quoi ? Je dois accéder à la salle du dessus. Pas de soucis, on a de quoi juste là. Merci pour le coup de main. Merci. Merci pour votre aide. Ouais. Vous venez pas ? Non, il faut que je redescende. L'appel des sentiments, je peux pas lutter. Bonne chance, Joyce. Ça marche. Hé ! Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, exactement ? Pour faire court, faut que je remonte dans le temps pour sauver mon frère. Il faut que vous remontiez le temps, ouais, ok. Ouais. Pas grave, vous êtes pas obligé de me dire après tout. Paul avait pris le noyau de la machine de l'université pour le relier à sa propre machine. Ce besoin maladif de tout contrôler. Mais ça m'avait donné une dernière chance de tout arranger. Je pouvais remonter le temps, et peut-être retrouver Will avant que Paul lui tire dessus. Et si j'arrivais à placer la contre-mesure dans les mains de Will, je pouvais peut-être tout remettre en ordre. Le noyau était en place, la machine était prête. J'avais plus qu'à déployer le couloir. Bon, ça devrait le faire. Déploiement du couloir. Phase 1 en cours. À tout le personnel, veuillez quitter la zone. Évidemment. Position, le sniper.
parler, quoi. C'est bon, allez. Position. Mais de rien, petite machine extrêmement lente. La machine était prête. Il me restait plus qu'à programmer la date. Je pouvais pas remonter plus loin que quand le noyau avait été activé pour la première fois. À l'université. Ça vous laissait peu de temps pour sauver votre frère? J'avais pas vraiment le choix. T'as intérêt à tenir tes promesses.
noyau est morte, à vous! Tous? Comment? Joyce est... On avance! Évitez d'endommager le noyau. Je suis arrivé juste après le début de la fracture. Trop tard pour l'empêcher de se produire. Mais pas trop tard pour sauver Will. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de le trouver à temps. Ouais. C'était le plan. QG, les caméras de sécurité... Paul, c'est quoi ça? Au niveau inférieur. Équipe Raider 3, interception immédiate. Préparez une autre équipe d'extraction pour récupérer le noyau. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Équipe Brawler, préparez le personnel d'intervention dans le parking souterrain. J'ai perdu le contact avec l'équipe Raider 3. Il se passe quelque chose. Je dois retrouver Will avant qu'il soit trop tard. On devrait déjà avoir chargé le noyau dans l'hélico à l'heure qu'il est. Hatch avait raison. On aurait dû envoyer Liam Burke en premier pour s'occuper de ses enfoirés. Je me suis souvenu que Will et moi, on se dirigeait vers la cour quand l'interruption avait frappé. C'est là que je devais l'intercepter.
peux pas rester là. Avions fui le labo après l'expérience, j'avais eu l'impression que Monarch était aux prises avec quelqu'un d'autre. En fait, c'était moi depuis le début. QG, on a perdu l'équipe Striker. C'est Joyce. Raider 9, comment ça on a perdu l'équipe Striker? Bordel, on l'a sous-estimé. Éliminez-le. Employez les grands moyens, s'il vous plaît. Vous attendiez pas à ce qu'on soit deux, pas vrai? Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Allons voir Wade. Wade. Le système d'ouverture. Il me faut le code. Je le connais pas. Allons voir Wade. Sûrement parce que cet affreux pantalon d'astronaute me va moins bien qu'à toi. Ce sont les ordres de Hatch. Ok. Dis à tes hommes de se tenir prêts. J'ai l'impression que la suite va pas être triste. Ah, merde. J'ai raté le code.
code, c'est 665. Un de moins que le chiffre de la bête. Ok. 665. Ok. J'en ai pas encore fini avec toi. Ok, j'ai branché ce bijou sur le courant du campus. C'est la... Contact voilà. Merde. Ça bloque mon pouvoir. Prends pour qui ? Go, go, go ! J'ai ailleurs de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Comme électricien, on fait mieux. Oula. Merde, c'est pas bon ça. Joyce a pu venir à bout de l'équipe Stryker. Il a des complices, c'est sûr. Je pense qu'ils sont au moins 5 à travailler ensemble. Alors reste sur tes gardes. Je dois aller à la bibliothèque. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Oh, merde. Trop tard, faut que j'arrive à la bibliothèque avant lui. On m'a dit de monter la garde sur les toits. On a déjà des hommes là-haut. Ils en veulent plus. Allez vous plaindre à Sirène si vous n'êtes pas d'accord. Bess. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Terminé. Reste pas là, Jack. Bien reçu. Gardez quelques hommes et attendez l'arrivée de numéro 1 Monarque. Le reste des forces doit se rendre dans la zone de collecte des chronons au Calsèche. Une fois là-bas, attendez les ordres. On va faire sauter la bibliothèque dans 5 minutes.
On a perdu le contact avec l'unité de sniper. On inspecte les toits en ce moment même. Tenez-moi au courant. Toute l'unité de sniper y est passée. Il n'a pas pu faire ça tout seul. On doit trouver qui manque à l'appel. C'est peut-être l'œuvre d'un traître. Commençons par faire une liste du personnel manquant. J'ai entendu quelque chose. Fouillez la zone. Qui a tiré ? C'est sur le toit ! Négatif ! Il est dans la bibliothèque, il nous tire dessus ! J'ai au visuel. Mettez-vous d'accord, Mortel. Où est-ce qu'il est ? Cherchez-vous ! Répondez-moi, Mortel. Où est Joyce ? On avance vers un type. Faites le tour ! Cette requête, j'arrive. Je vais m'occuper de Jack. Vous avez entendu. Repliez-vous. Tiens bon, Will. J'arrive. Si Joyce est dans la bibliothèque, alors qui est-ce qu'ils ont vu ici? Je sais pas. Ennemi en vue! Tu rêves? C'est lui! Will ? Il est déjà parti. L'entrée. L'entrée. J'ai plus beaucoup de temps. Will ! Elle a rien faire. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Comment ?
Dépêche-toi. Viens, faut y aller. Monarque l'a toujours eu. Est-ce qu'elle marche? Tu es venu du futur. Pour moi. Il y a encore la fracture. Pas encore. Elle marche? En théorie, oui. On doit aller à ma machine. Elle doit nous ramener d'où tu viens. Non, le futur. Non. On n'a pas le choix. Il faut qu'on arrête la fracture, ici. Aujourd'hui, maintenant. Non, écoute-moi. La fracture n'était pas réparée là d'où tu viens. Donc on ne pourra pas l'arrêter ici. Des gens vont mourir, Will. T'as pas vu les événements entre maintenant et après? Mais toi, si. Ce que tu as fait a créé une chaîne d'événements qui ne peut pas être brisée. On n'en sait rien. Et si elle pouvait être brisée, ça pourrait mettre le monde entier en péril. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup trop en jeu, tiens. Je sais ce qui est en jeu, ok? Alors tu dois l'accepter. Tout ce que tu as fait pour arriver ici était nécessaire. Crois-moi. On ne change pas. Le passé. Le futur n'est pas... On doit y aller. Par ici. Si ce que tu dis est vrai, alors comment j'ai pu te sauver? Je t'ai vu mourir, Will. Réfléchis, Jack. Tu m'as pas vu mourir physiquement, n'est-ce pas? Non, j'ai vu le toit s'effondrer sur toi. Et tu as cru que j'étais mort. Oui, c'est ce qui t'a amené ici, pour t'assurer que ça resterait une illusion. Tout ça est une boucle. Si on voit le temps comme un œuf, alors... Arrête avec cette histoire d'œuf. Faut qu'on sorte de là, et qu'on aille à la Bradbury. Oh, pèse-toi. Par ici. C'est une vraie boucherie là-dedans. J'ai besoin d'air. Les nettoyeurs ont intérêt à se manier. Attends qu'ils soient partis. On n'a pas le temps pour ça. Jack, non. On y va. Toujours aussi borné. Cette famille... On parlait de quoi déjà? Pour résumer, boucle temporelle. Je suis vivant, science. Ça va, c'est bon. Ok, par ici. Il y a une porte, là. Ce serait Nick. Trop dangereux de les aider. Je sais ce qui va arriver si je fais rien. Et ça arrivera quand même, Jack. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'exception. Si tu te foires en essayant de changer ce qui ne peut pas l'être, ça pourrait nous être fatal. Je t'en prie, Jack. Notre avenir en dépend. Tu as dit que Monarque avait la contre-mesure depuis le début. Comment? Pourquoi? Paul s'en servait pour alimenter un genre de programme de survie déliant. Ils ont dû l'utiliser comme une sorte de régulateur de champ de chronon localisé. J'ai toujours cru que c'était Bess Wilder qui avait la contre-mesure, à l'abri quelque part. Après tout, c'est elle qui m'a prévenu. Il m'a dit de le construire. Je sais. Tu l'as rencontrée. Est-ce qu'elle nous aide? Elle nous aidait. Ah, je vois. Allez, on n'est pas en sécurité ici.
Écoute, je sais que je t'ai caché des choses, mais quand j'ai commencé à travailler, tu étais si jeune, et après... j'ai toujours espéré que tu ne serais jamais mêlé à tout ça. Ouais. Je comprends. Viens. Allons dans le futur et arrangeons tout ça. Si je recroise Nick un jour, faudra que je le remercie pour la voiture. Ou que je m'excuse de l'avoir volée. Une minute. Là. C'est fermé. T'as caché la machine ici. Tu l'as vraiment jamais utilisée toi-même ? Non, j'ai pas osé, après que le type en soit sorti. C'était Paul. Il a essayé de me tuer. Salut les noctambules, ici votre pote Bobby. Dites, si vous êtes actuellement à la manif de l'université... N'hésitez pas à m'appeler au studio. Je pense qu'on a tous envie d'entendre un compte-rendu en direct. Merde! Elle est coincée par la rouille. Jack, tu m'aides ? Encore un coup. Quand
Quand Monarch est venu démanteler la machine à l'université, Paul était coincé dedans. Il s'est échappé dans le futur. Quoi qu'il ait vu là-bas, ça l'a changé. Il a réussi à trouver ma machine là-bas. Et il s'en est servi pour retourner en 1999. Et il a fondé Monarch. Il a fui Monarch, et il est devenu ce qu'il fuyait. C'est de la folie. J'aurais jamais dû construire la machine. J'aurais dû laisser les choses comme elles étaient. On va aller dans le futur. Un peu après que tu es parti. Mais avant que la fracture n'arrête le temps à jamais. Je ne sais pas. J'ai un doute sur ça. Ça va être dangereux. Bien sûr, ça va être dangereux. Comme tout maintenant. J'ai vraiment envie de l'essayer. On arrivera un peu après le moment où tu es parti pour me sauver. C'est notre marge d'action, quand on sait que ça peut marcher. Mais avant l'arrêt complet du temps. Va falloir agir vite. Monarch était persuadé que c'était imminent. Comme si c'était des experts. Bah, c'en est. Tout ce qu'ils savent, ils me l'ont volé. Occupe-toi de ta partie et laisse-moi m'occuper de la mienne. Ok, Will. Ça me va. C'est incroyable. Pendant toutes ces années, j'ai jamais pensé que ça se... Merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la machine ? Faire bouger. On n'a pas le temps pour ça. Tu peux oublier Will. J'ignore comment il est arrivé là. Mais c'est fini. Il est trop tard. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? T'as l'air malade. Même d'après tes standards tordus. Le RCC, Jack. Je te l'ai repris. Je me fous de te savoir mourant, Paul. Je te le rendrai pas. J'en ai pas besoin. Je veux juste le détruire. Pour de bon. Pourquoi? Et ton plan de survie, alors? Où diable la capsule temporelle, Jack? On va juste en rester là et attendre tranquillement la fin du temps. Plan à
C'est maintenant ou jamais. Protégé.
Peu importe. Plus tard. On a une mission. Je vais devoir relier la contre-mesure au noyau. Elle est conçue pour hyper-saturer le champ de Meyer-Joyce de particules chronon. La machine a voyagé dans le temps, agit comme un amplificateur. Ça va provoquer une réaction en chaîne et régénérer le champ. Ça sera un événement universel. Je te fais confiance. Contente-toi de tout mettre en place. Jack, viens me donner un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire? La contre-mesure n'est pas assez chargée. Il va nous falloir un afflux de particules chronon. Un déclencheur. C'est toi. La contre-mesure. Elle a réparé le temps dans le monde entier. Ce qui avait été détruit l'était toujours. Les morts ne reviendraient pas. Mais c'était fini. Jack. Will. Le temps avait repris son cours. Allez. Allez. Je crois qu'on vient de sauver l'univers. Ouais. Ouais, Paul. Il est mort. Évaporé, enfin, peu importe. Will. Il se trompait sur toute la ligne. Tu crois ? Will. La contre-mesure a fonctionné. Waouh. La contre-mesure a grillé. Ok. Le champ de Meyer-Joyce devrait être stable, maintenant. Bien sûr, je vais devoir faire des tests pour confirmer. Mais... il n'y a aucune raison de penser que la fracture n'a pas disparu. Une dernière question. Toute la philosophie de Paul Seren reposait sur le fait que le temps est immuable, qu'on ne peut rien changer. Au moment des événements, vous n'étiez pas d'accord. Mais après tout ce que vous avez vu et vécu, nous devons savoir. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Avait-il raison ? Où peut-on changer le cours des choses? J'en viendrai te chercher. Vous avez été très patient avec nous. Et très coopératif. Merci. Ouais, mais ma patience commence à atteindre ses limites. Je comprends. Je vous en prie. Monsieur Joyce. Finalement, vous vouliez me parler, pas que je vous raconte ma vie. Vous étiez au centre de ces événements. Vous pouvez comprendre notre envie de tirer tout cela au clair. Et vous faites porter le chapeau à Paul ? Belle prouesse ? Paul Seren n'a jamais écouté que lui-même, vous le savez. Lui et ses délires de grandeur ont failli détruire Monarch.
Mais cette entreprise peut encore être sauvée. Et vous pourriez nous y aider. Ce n'est plus le monarque que vous connaissiez, Monsieur Joyce. Nous sommes conscients de vos capacités exceptionnelles. Et nous savons tous deux que nos experts pourraient répondre à vos besoins. Nous pourrions nous entraider.